Bonjour, je suis Joëlle Meyer. J'aimerais vous présenter le jeu « Il était une ferme » de Smart Games. Les enfants vont adorer ce jeu sur le thème de la ferme. Le but du jeu est de séparer les différentes espèces d'animaux en créant des enclos. On voit directement que ce jeu est de très bonne qualité et que les pièces sont bien solides. Le jeu comporte une plaque de jeu qui représente un pré, deux chevaux, deux vaches, deux cochons, deux moutons, trois abreuvoirs et trois morceaux de clôture pour créer les enclos. Le jeu s'accompagne d'un livret contenant 60 défis en couleurs et leurs solutions. Les 60 défis sont divisés en 4 niveaux de difficulté. Chaque défi consiste à disposer les animaux comme indiqué sur l'image, puis à placer les clôtures de façon à créer un enclos pour chaque espèce d'animaux. La difficulté augmente progressivement à travers les 4 niveaux. J'aime le fait que les premiers problèmes familiarisent les enfants avec le but du jeu et qu'au fur et à mesure qu'ils progressent, les défis deviennent plus complexes, ce qui fait que le jeu reste toujours intéressant. Ce jeu de réflexion est recommandé pour les enfants à partir de 5 ans, mais je pense qu'accompagné d'un enfant plus âgé ou d'un adulte, un enfant plus jeune pourrait commencer à y jouer. Le jeu de la ferme aidera les enfants à développer la concentration, l'intelligence spatiale, la logique et la résolution de problèmes. De plus, ce jeu aidera aussi à l'acquisition du vocabulaire relié au thème de la ferme. Les Smart Games sont des jeux pour un joueur, mais personnellement, je les vois aussi jouer comme un jeu coopératif par deux ou trois enfants ensemble où chacun peut contribuer à trouver la solution du problème. Comme les autres jeux de Smart Games, Il était une ferme va offrir des heures de plaisir aux enfants et au reste de la famille. Bon amusement, hein?